Thank you.
nous savons qu'il y a toujours un dès ce moment. Et donc, le dès ce moment de notre frère Brice, le frère Brice partait souvent communier chez son ami qui est le pasteur Junior Touma. Alors, quand il partait là-bas, la sœur Mercia était une sœur qui aimait travailler dans l'église. Elle servait les serviteurs de Dieu, elle nettoyait certainement l'église, elle faisait tout ce qui était nécessaire dans l'église. Regardez où est-ce que la bénédiction est partie. Donc, quand le frère Brice observait, et donc dans son cœur, il disait « Waouh, quelle créature !» Et donc, celui qui était autour de lui ne pouvait pas savoir ce que lui pensait. Ça s'est passé dans son cœur. Mais ce n'était pas de la convoitise. Parce que la convoitise a un début et a une fin. Mais l'amour n'a pas de fin. Alors, quand il regardait la sœur Mercia, quand la sœur Mercia venait donner à certains moments un verre d'eau, alors le frère Brice, son cœur vibrait certainement. Comme vibre le téléphone d'un iPhone. Et donc, à cet instant-là, le frère Brice commença à aimer la sœur. Et comme on dit, il faut suivre la procédure. Le pasteur Junior Touma est en déplacement. Il se trouva à Brazzaville. Alors, le jour que le pasteur Brice a pensé passer un coup de fil auprès du pasteur Touma, le pasteur Touma était en route au Point Noir. Alors, vous voyez que ce qu'il ressentait là était plus fort que la haine. Parce que s'il n'avait pas aimé, il ne devait pas appeler. Alors quand je l'ai appelé, il a exprimé la question, je n'ai rien de côté une sœur et la sœur Mercia. Le pasteur Thomas est en route, il dit, attends mon retour, on va s'asseoir, je te ferai signe. Alors le pasteur Thomas lui dit, je sais que tu es un bon frère, tu es un chrétien, mais attends quand j'arrive. Alors le pasteur Thomas est arrivé sur place, il a causé avec la sœur, avec la merveille de notre frère Brice. Alors, vous savez que dans ce temps-là, il y a toujours un temps de réflexion, un temps de pensée. Alors, la sœur Mercia a eu certainement le temps de réfléchir, de penser. Alors, la réponse était positive. Ce n'était pas la réponse empoisonnée, mais la réponse était pure. Alors, c'est cette réponse-là qui est attendue aujourd'hui à ce matin. Et donc, au fil du temps, l'amour naissait dans le cœur des deux personnes. Alors le frère Brice ne pouvait se contenir. Il est arrivé à un niveau de voir sa femme, enfin la sœur qui est sa femme aujourd'hui, comme étant sa sœur de même sang. Eh bien, vous conviendrez avec moi, même la parole nous dit, quand vous voulez épouser quelqu'un, vous devez savoir tout de même que c'est votre sœur avec qui vous allez passer l'éternité. Alors, l'attitude qu'il avait, c'est scripturaire. Alors, le temps passait, il fallait donc que le frère Brice puisse écrire à la famille pour demander la liste de la dose. En parenthèse, il voulait faire le premier vin, deuxième, peut-être présentation et autre. Et donc la famille a refusé. Bon, c'était aussi le plan de Dieu, parce que Dieu honore toujours ses serviteurs. C'était un moyen pour Dieu d'honorer son serviteur. Et peut-être que si tu avais permis que ce soit la présentation pour 22 ans, vous ne devez pas être ici pour manger, peut-être joli et troublé. Mais Dieu a permis que vous y soyez pour voir ce qu'on appelle la bogosité de cet homme. Donc, quand il a demandé la liste, ils se préparaient. Ils ont commencé les fréquentations en plein confinement. Et donc, l'homme de Dieu, regardez l'amour. On ne parle pas de l'amour, non, j'irai pas aujourd'hui. Mais il a manifesté une volonté. Pendant le confinement, il quittait Ngoyo Vita. À pied. Pour aller voir cette merveille. Il n'a pas fait ça une fois. Il
il a fait ça plus de deux fois. Parce qu'il a aimé. Certainement, il y aurait d'autres personnes qui devaient dire que, mais bon, il y a du téléphone. Mais non, mais lui, c'est pas parce que l'amour qu'il avait pour sa merveille. Et il partait tout le temps la voir. Car l'amour est impatient de voir un autre amour. Alors, une épouse qui veut voir son époux ne peut pas se contenir. C'est comme Christ. Vous savez, Dieu veut venir, mais quand sa femme n'est pas encore prête, Dieu veut vraiment venir. Il a un désir de venir. Mais quand il y a quelque chose qui manque d'abord dans son épouse, c'est quoi? C'est la perfection. La perfection, Dieu veut se voir dans sa femme. Alors, si je peux évangéliser ce soir, le pasteur Henri s'est refusé, ou encore, il s'est vu dans la sœur Mercia. Il y a une question peut-être que je vais poser à quelqu'un. Entre l'homme et la femme, qui des deux épouse l'autre? Entre l'homme et la femme, qui des deux épouse l'autre? À d'autres disent la femme, d'autres disent l'homme. Je dirais que c'est la femme qui épouse l'homme. Prenons le temps d'un père. Nous verrons bien ça. Est-ce que c'est l'homme qui épouse la femme du père ou c'est le père qui épouse la femme du père? Les deux. C'est l'homme qui prend la forme du père. Alors la femme prend la forme de l'homme. Ça veut dire que le pasteur Brice se regarde lui-même à travers sa femme. Et donc la femme prend ce qu'est son mari, la femme reflète son mari. Quand vous mettez l'eau dans un verre, l'eau va prendre la forme du verre. Donc c'est la femme qui épouse l'homme. Et donc ce soir, c'est la sœur Mercia qui vient d'épouser le pasteur Brice. Alors le mariage a été validé par Dieu lui-même. Et donc, l'amour, comme on le sait tous, l'amour est un moyen qui unit deux personnes, deux cœurs. Et à travers ces deux personnes-là, l'amour unit aussi deux familles. Et les deux familles-là forment ce qu'on appelle par là l'amour. Et si la famille n'avait pas l'amour pour le faire, la famille n'allait pas donner leur enfant à ce frère. Ça veut dire qu'il a d'abord eu l'amour. Et c'est cet amour qui a fait que aujourd'hui, le couple moelleux soit marié devant Dieu, devant l'État et devant les hommes.
Thank you.
mon cœur. Chemin, on va les prêter.
C'est la fin. Alors, je ferai donc appel.
Papa, qui va prêcher? Un ami de la colonne. Particulièrement pour ma fille, Mercia. Je voudrais simplement remercier Dieu d'abord pour la foi réelle qui a été transmise une fois pour toutes à l'Église. Et cette foi qui a commencé avec l'Église primitive et qui continue à se perpétuer jusqu'à ce jour. Cette foi qui rend, qui change, qui transforme les gens, qui font passer des gens de la mort à la vie, du paganisme au véritable christianisme. Et je puis témoigner que ma fille est l'une des chrétiennes, comme mon fils Bis est aussi l'un des chrétiens, qui vraiment témoignaient en témoigné par leur vie qu'ils n'ont réellement cru. Et leur amour à respecter les principes de la parole de Dieu, malgré les difficultés, mais ils sont restés dans la crainte de l'Éternel en respectant le processus de mariage jusqu'à ce jour. Que le mariage soit honoré de tous. Et je tenais vraiment à remercier Dieu et à témoigner de cette vie digne de l'Évangile. Et comme je le disais, particulièrement pour ma fille Mercia, elle habitait chez moi. J'ai reçu pas mal de gens chez moi, mais j'ai pu témoigner que nous avons passé un bon moment avec elle. On n'a pas eu de soucis majeurs au point d'être brisé, d'être choqué, d'être déshonoré. Au contraire, cette fille nous a été très précieuse. Elle est précieuse pour nous parce qu'on a passé, elle habitait chez nous et toutes ces années-là, vraiment, elle a présenté vraiment une bonne attitude. Que j'ai pu dire aujourd'hui, je suis fier d'avoir été avec elle. Et aujourd'hui, qu'elle a quitté la maison, qu'elle est partie pour le mariage. Et je sais que là où elle partira, son témoignage va toujours la suivre. Vraiment, c'est une chrétienne. Nous avons été vraiment très bien avec elle. On se comprenait très bien. Et elle a été une fille dans la maison. Franchement, les impressions sont très étonnantes. Et très positive pour moi, étonnante pourquoi? Parce que connaissant un peu les moyens de bord et réaliser ce qu'ils ont réalisé, franchement c'est un miracle. Peut-être ceux qui ont beaucoup d'argent, les choses ne se font pas comme ça. Ils n'ont peut-être pas beaucoup d'argent, mais ils ont réalisé ce que parfois ceux qui ont de l'argent ont du mal à réaliser. Humainement parlant, je me disais, mais comment ils vont faire pour vraiment nourrir tout ce monde-là? Mais je suis dans la surprise étonnante de savoir que tout se passe bien, que les gens se sentent bien et qu'il y ait une telle organisation telle que les gens mangent, les gens se sentent bien. À ça, vraiment, je ne saurais être indifférent pour dire que j'ai vu Dieu, l'amour de Dieu et la main de Dieu dans cette organisation-là. Même moi-même, je me disais, mais comment est-ce qu'il... Mais où est-ce qu'on trouvait l'argent pour tout ça? Mais quand je vois la manifestation, comment est-ce que les choses se sont passées, je ne peux dire que c'est Dieu, la grâce de Dieu qui a pourvu tout cela. Et je suis très satisfait, très content. Il y avait plus de peur que de... On se disait peut-être que ça, on va porter la honte,
Mais je pense que la surprise est que nous sommes honorés. Et nous sommes honorés de voir que l'organisation s'est passée très bien. La fête se tient très bien. Et tout le monde est dans la joie. Vraiment, que Dieu les bénisse. Lo sambo e futi pengayo ye oyo o bombe sili ye oyo ata bambonge ye oyo e pelamba yango yango yo.